Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Merci de nous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission qui parle sur le mariage, la famille. Et aujourd'hui, c'est la suite fin de ce grand thème que nous avons déjà commencé à partager avec l'homme de Dieu, le pasteur Paul Richard, sur les raisons de mauvais mariage. Et aujourd'hui, nous continuons avec les raisons, hein, qui pousse aujourd'hui le gens à divorcer de partout. Et donc, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec l'homme des dieux, le pasteur Paul Richard. C'est avec lui que nous allons conclure ces grands thèmes sur les raisons de mauvais mariage. À la présentation, c'est toujours Maman et Lali. Je vous aime beaucoup. Et homme des dieux, bonjour. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous avez été bénis dans les deux émissions précédentes. Et nous espérons aussi qu'avec cette troisième partie, vous serez encore bénis davantage. Vraiment, soyez là, soyez connectés. Faites aussi venir les autres pour qu'ils puissent suivre cette émission qui nous aide, qui nous éclaire sur le mariage, sur la famille. Oui, pasteur, avant de conclure, j'aimerais un peu que vous puissiez résumer en fait notre deux émissions précédentes que nous avons eues avec vous sur ce plateau. Oui, pour aider nos bien-aimés qui peut-être vont regarder seulement cette émission. Dans les émissions précédentes, nous avons vu que tout part du choix, comme une maison. Si la fondation n'est pas bonne, plus tard, ça peut amener des problèmes. Et beaucoup de problèmes que les gens ont dans leur mariage, c'est à cause de la fondation. Donc, du choix. Le choix n'a pas été bien fait. Et quand le choix n'a pas été bien fait, c'est normal que nous puissions rencontrer des problèmes et des difficultés, aboutir au divorce, aboutir à beaucoup de problèmes. Et nous avons vu les raisons, ça peut être la beauté, ça peut être l'âge, ça peut être la pitié, ça peut être les pieds de la prophétie. Ce sont des raisons qui peuvent faire à ce que quelqu'un puisse tomber dans le mauvais mariage. Donc tout part du choix. C'est pourquoi nous avons dit, nous devons prendre beaucoup de temps avant de faire le choix. Si le choix est bien fait, nous pouvons éviter beaucoup de problèmes qui peuvent venir à la suite. Oui, homme de Dieu, nous allons continuer. Comme je venais tantôt d'annoncer qu'aujourd'hui, c'est la suite fin de ces grands thèmes que nous avons déjà commencé à aborder depuis sur les raisons du mauvais mariage. Et nous continuons aujourd'hui avec quelles raisons, homme de Dieu? Notre raison, c'est le chantage. Ne vous mariez pas à cause du chantage. Il y a des gens qui ont fait des choses sales avec une personne. Et la personne prends cela et commence à vous menacer. Si vous ne m'épousez pas, je vais divulguer cela. Je vais dire ça à tout le monde. Vous savez, il y a actuellement, nous assistons au phénomène des publications des nudités des gens. Vous avoir fait une erreur, vous tombez avec une fille, et cette fille là, a enregistré la séance. Et la fille vous dit, bon, si vous ne m'épousez pas, je vais publier ça sur les réseaux sociaux. Voilà, personne, c'est ça, c'est son intimité. Bon, pour éviter que je sois l'objet des moqueries, t'as mis épouser cette femme. D'autres peuvent te menacer, je vais dire à ta femme, je vais dire les choses que tu m'as fait. Et la personne, donc, a peur du chantage, la personne cède au mariage. Il y en a qui, tu as fait avorter une fille, et la fille dit non, tu dois me dédommager. Sinon, je vais te porter à justice, sinon c'est si. Et tu te sens comme tu as une dette. Si je ne fais pas, elle risque de créer des problèmes. Bon, laisse-moi me donner à lui, laisse-moi le prendre en mariage et on verra la suite. Donc le chantage peut être une des raisons qui peut aboutir au mauvais mariage. C'est déjà un mauvais départ. C'est un mauvais départ. Quand vous avez fait des choses sales, et que la personne commence à brandir ces choses-là pour te menacer, pour t'influencer, pour dire que si tu ne fais pas ça, si tu ne m'épouses pas, je vais divulguer ça, je vais te porter en plainte, je vais te nuire toute ta vie. Ça, c'est déjà... Vous voyez que le départ est mauvais. Et à la suite, vous allez commencer à
qu'accoter beaucoup de problèmes, des difficultés, et ça va peut-être conduire au divorce. Donc n'épousez pas à cause des chantages. Je vois même sur les réseaux sociaux, ces derniers temps, c'est devenu un peu une pratique courante dans notre communauté congolaise. On publie toujours des nudités des gens, des artistes, des musiciens, des pasteurs. Et des choses comme ça, c'est des moyens de chantage. Moi, j'ai reçu le cas d'un frère qui m'a dit qu'il y avait des gens qui l'ont appelé, qui ont dit, tel monsieur, on a ta nudité. On a l'essayant de ta nudité, alors tu dois nous donner l'argent. Sinon, on va publier ça sur les réseaux sociaux. Et on l'a menacé. Et le frère était obligé de débourser plus de 1000 euros. Il leur a donné 1000 euros et ils ont commencé à augmenter les enchères. Voilà, le chantage, ce n'est pas une bonne chose. Je vais vraiment demander à chacun de nous vraiment de vivre une vie correcte, une vie qui plaît à Dieu pour éviter d'être victime de chantage. Et nous voyons ça même dans notre ville. Vous savez qu'actuellement, à Kinshasa, si vous transportez une jeune fille et que vous êtes seul dans la voiture, la jeune fille peut faire le chantage. Elle descend comme ça, commence à crier aux gens. Non, ce monsieur m'a pris toute la nuit, il ne m'a pas payé. Et les passants peuvent venir. Ah, tu l'as violé. Mais comment? Toi, es responsable, tu peux prendre une femme. Tu ne payes pas. Et ça peut te créer des problèmes. D'autres, pour sortir des ennuis comme ça, ils donnent l'argent. Donc, voilà les niveaux de chantage, comment les gens commencent à monter des scénarios pour nuire aux autres. Donc, nous trouvons que ce n'est pas une bonne pratique. Et nous, enfants de Dieu, ne devons pas utiliser le chantage comme moyen de pression, comme moyen pour obtenir les choses. Donc, c'est vraiment triste, homme de Dieu et nos bien-aimés de l'Europe. Hein, il faut faire attention. Quand vous revenez au pays, en tout cas, les choses ont changé. Hein, par bonne volonté, vous pouvez prendre quelqu'un en cours de route et, et vous faire des chantages. En tout cas, il faut m'amener en Europe. Sinon, je vais publier, je vais faire ceci. Et donc, en tout cas, c'est triste, homme de Dieu. Nous continuons avec une autre raison. La raison, c'est la compétition. Quand vous avez un cercle d'amis où certains se sont mariés et il ne reste que vous, donc vous voyez que tout le monde s'est marié. La concurrence, où est ta femme? Donc la concurrence, la compétition peut pousser quelqu'un à vite se marier et à tomber dans les erreurs. Une décision qui est prise à la hâte, c'est une mauvaise décision. Une décision qui est prise pour prouver aux autres. Comme me disait une sœur passée, ça commence à me faire peur. Les gens me disent, t'es une belle femme. Mais je n'arrive pas à me marier. Ça commence à me faire peur, pasteur. Voilà, ça c'est la compétition. La personne regarde les autres. Et il veut faire comme les autres. Et on risque de tomber dans des erreurs. J'aimerais dire aux gens, cessez de vous comparer. Chacun de nous a son temps, chacun de nous a sa saison. Ta saison ne peut pas être ma saison. Mais au moins, nous sommes sûrs que chacun de nous a sa saison. Ne vous précipitez pas, ne tombez pas dans les bras d'un homme. Plus tard, vous allez regretter. Non, c'est pour que moi aussi, je puisse porter l'alliance des mariages. Oui, porter l'alliance des mariages, c'est bon, mais ce n'est pas la finalité. Il y en a qui ont porté cette alliance pendant même un mois. Après, ils ont enlevé ça. Parce que les choses auxquelles ils ont commencé à vivre, c'était pire que l'enfer. Des fois, quand je rencontre, je reçois les cas dans les conseils, suivi conseil des couples. Quand quelqu'un, une femme mariée me dit, parce que je souffre dans mon couple, ça me fait mal. Parce que le mariage n'est pas fait pour que l'autre puisse souffrir. Mais nous pouvons éviter des souffrances inutiles si au départ, nous posons des bonnes bases. Et parmi les bonnes bases, évitez de vous comparer, évitez d'agir par comparaison, par compétition. Vous n'êtes pas en train de prouver aux gens ou de courir qui sera le premier. Non. Les autres peuvent se marier. C'est leur temps. Ton tour aussi va arriver. Prends ton temps au lieu de se précipiter comme les autres. Voilà ces points-ci. Un autre point encore, c'est la solitude. D'autres veulent échapper à la solitude en se mariant. Ah, je ne vais pas être seul. Vous savez, il faut avoir une personne avec qui parler, une personne avec qui partager les soucis, une personne avec qui échanger. Ils veulent fuir la solitude.
La maison est grande comme ça. Et surtout que ceux qui sont à l'extérieur du pays se disent, ah, il y a l'isolement. Vous savez, nous ici en Afrique, on vit dans la société, quoi. Tu as des amis, tu as des voisins, mais eux, par exemple, ils peuvent être à un endroit, ils ne connaissent pas son voisin. Il n'y a personne pour te saluer. Donc, tu es seul. Et tu te dis, pour échapper à cela, je dois me marier, je dois me trouver une personne. Tu vas fuir la solitude, mais tu ne vas pas fuir le problème, le vrai problème qui est là. Donc, la solitude. Vous savez, maman, elle pouvait être au milieu de 100 personnes et être seule. Donc, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas seulement physique. Vous pouvez être au milieu de beaucoup de gens, mais souffrir seul. C'est vrai, la Bible dit, deux valent mieux que un. Mais faisons attention. On est toujours mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que si tu es seul, au moins c'est bien. Mais si tu es mal accompagné, cela peut te conduire au suicide. À des maladies. Ton foufou là qui passait calme et malade à la gorge quand tu étais seul. Maintenant, tu es à deux. Maintenant, tu n'arrives plus à manger, homme de Dieu. Vraiment. C'est ça. Oubliez les gens qui sont seuls. C'est bien qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais la fuite de la solitude là peut aussi être comme une raison de tomber dans des mauvais choix. C'est vrai. Et d'autres, quand ils connaissent des déceptions, ils veulent vite combler les vides. Comme le disait une maman là, vous savez, il y a des choses. J'ai des enfants. Mais j'ai besoin d'une personne à côté de moi. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire aux enfants. Il y a des choses que tu peux dire à ton compagnon. Parce qu'il y a Dieu qui te fasse grâce. Et moi, je crois que Dieu seul peut nous aider à sortir de la solitude. Dieu seul peut nous donner notre moitié. Parce que lui, il a dit, il n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seul. Si vous vous précipitez seulement pour ne pas être seul, vous allez tomber dans des pièges et faire de mauvais mariages. Il y en a qui sont dans le couple, mais ils sont seuls. L'homme fait des choses, la femme ne connaît rien. La femme aussi fait des choses. Les gens dorment dans les mêmes lits, mais ils ont la solitude. C'est un état d'esprit. L'homme a des secrets à lui qui ne partage pas avec sa femme aussi comme ça. Et il y en a qui ont décidé de dormir même des lits séparés. Parce qu'ils se sentent, bon, on n'est pas unis, on n'est pas ensemble. Deux. Vous êtes deux. Vous pouvez être deux, vous être seul. Donc là, ce n'est pas seulement parce qu'il y a beaucoup de gens. J'ai une personne à côté de moi, non. Il faut la bonne personne à écouter. Qui va te supporter, qui va te comprendre, qui va t'aimer. C'est vrai, les mariages sont une bonne chose. Parce qu'il y a dit deux valent mieux qu'un. Si un tombe, l'autre peut le relever. Nous allons peut-être par la carte de Dieu voir dans notre émission sur les vraiment comment fonder un foyer heureux et stable de Christ. L'autre chose, c'est vraiment le manque de confiance. Quand vous n'avez pas monté le discours. Vous savez, il y a des gens qui sont avec vous, qui sont venus dans les fiançailles. Il y a des choses qui vous disent, mais vous ne discernez pas. Il y en a qui ont le discernement zéro. L'homme ne t'a pas dit toute la vérité. L'homme t'a caché des choses. Vous te disiez des choses, mais à cause de l'amour. Ou la femme te disait des choses, mais à cause de l'amour, tu n'étais pas à Dieu. Dieu est l'homme de Dieu. Moi, j'ai un témoignage par rapport avant que je me marie avec mon mari. Il y avait un frère qui me demandait la main. Mais à chaque fois qu'on était avec le frère, il y avait un esprit homme de Dieu qui me disait que non, ce frère a une double vie. Double vie, double vie. Mais je ne savais pas. Mais quand le frère est là, on parlait, on causait, il était bien. Mais il y avait toujours, ne regardez pas à ce qu'il est. Il te cache des choses. Homme de Dieu, tu sais que je priais un mois. Je dis, en tout cas, je ne peux pas m'engager avec ce frère. Tant qu'il y a encore une parole qui me dit toujours à chaque fois que non, ce frère n'est pas vrai. Ce frère n'est pas vrai.
Et c'était comme ça, homme de Dieu. Ça, c'est mon témoignage propre. Je priais un mois, j'ai dormi par terre. J'étais encore célibataire. C'est pour dire que nous ne devons pas jouer avec ces choses-là. Quand j'ai dit, bon, pourquoi cette parole me vient toujours? Quand je suis avec ces frères-là, on parle, mais il y a toujours, ne regardez pas ce qu'il est. Il n'est pas vrai, il n'est pas vrai. Et jusqu'à ce qu'un jour, on était en train de parler comme ça, ce frère qui me dit, tu vois, moi, le soir, quand chaque soir, je sors, je suis en ville et je vends de cocaïne. Homme de Dieu, imagine si je m'étais engagée avec ce frère. Si seulement j'avais vu, j'avais regardé sa beauté, est-ce qu'aujourd'hui je serais là à côté de l'homme de Dieu, apôtre Richard, en train de présenter cette émission? Non. Donc c'est pour nous dire que ce que nous sommes en train de parler là, hein, ce ne sont pas des choses en l'air. Ça c'est mon témoignage. Et j'avais béni Dieu. Et c'était juste après le dernier jour de ma retraite. Quand il était venu, comme il venait toujours d'habitude, on était là assis. Et comme ça là, lui ne savait pas. Il croyait qu'il me racontait des histoires. Ah, moi, le soir, j'ai des Libanais là-bas en ville, je vends des... Je dis, hein? Et j'étais là calme et je commençais à bénir le Seigneur. Et c'est ça le discernement, c'est très important. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, homme de Dieu. Beaucoup sont... Et il se rend compte que le mari, c'est un occultiste. Le mari, c'est quelqu'un qui a une mauvaise vie, quelqu'un qui a sa femme, qui a abandonné. J'ai reçu des cas comme ça. La chance se rencontre, l'homme était déjà marié avant. Mais l'homme ne lui avait pas dit cela. Donc il y a des choses que, quand vous êtes avec quelqu'un, est-ce que vous sentez la paix? Est-ce que, comme vous avez dit, il y avait une voix qui vous disait chaque fois, ah, cette personne me cache quelque chose, ne me dit pas toute la vérité. Il y a des choses comme ça que nous pouvons voir. Ah, en tout cas, là, il y a un danger des fois. Mais c'est pourquoi le discernement est important pour éviter les mauvais mariages. Si maman Mélanie s'était engagée, maman Mélanie s'était engagée, elle souffrirait toute sa vie. Mais elle a eu le discernement et ça a pu éviter les mauvais mariages. Mais combien d'entre nous n'ont pas le discernement? Tu vois seulement l'homme là, il te montre l'amour. Vous êtes encore à deux. Mais quand il te met à la maison, c'est autre chose. Il t'abandonne, il n'a plus de temps pour toi. Il te dit, j'étais déjà épousé, reste là. Elle n'est pas appelée à l'église. Elle n'est pas appelée à l'église. Il te sépare avec tout le monde. Il t'arrache les téléphones, tu ne peux pas appeler ceci. Donc, tu vois que c'est une autre personne que la personne que tu as aimée. Mais si tu avais le discernement, tu pouvais éviter toutes ces choses-là. Voilà, les manques de discernement peuvent nous conduire à de mauvais choix. L'autre, c'est les rapprochements impies. Quand vous êtes proche d'un garçon ou d'une fille et vos émotions commencent à vous tromper que vous devez vous marier avec lui. On voit souvent dans l'église, deux frères et soeurs, ils font l'évangile ensemble. Ils sont dans le même département. Ils vont prier ensemble, visiter les gens. Ils se disent, bon, comme nous sommes proches, vraiment. Les gens disent, vous êtes fiancés? Oh non! Ça c'est bien. Vous voyez, le frère déjà dit, pas encore. Oh, mais quoi? Vous êtes trop proche de la personne et ça peut causer les mauvais mariages. Moi, j'ai reçu les témoignages d'un couple que j'ai encadré et ce couple avait comme parrain un pasteur. Ce pasteur est déjà décédé et ce pasteur était trop proche de sa secrétaire. Et c'était la femme, la secrétaire qui était les parents et son mari qui était les parents de ce couple-là. Et tellement ils étaient trop proches du pasteur. Et la secrétaire, la femme a commencé à sortir avec les pasteurs. Donc, les rapprochements impies. Soyez plus proches de votre femme, de votre mari que d'une autre personne tierce. Donc, il y a les rapprochements impies peuvent faire réveiller des émotions, des sentiments et nous tromper. Franchement, et puis qu'est-ce que vous parlez? Vous discutez avec la personne là, vos intimités. Après les châtés. Ah non, si. Ah, comment tu vas? Comment tu as passé la journée? Mais quelle relation y a-t-il? Alors déjà, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à quoi? Mais qui est cette personne pour toi? Donc éviter certains rapprochements qui ne sont pas bien. Ces rapprochements, c'est quelle base? Mets-moi passer.
Il y a des heures que tu ne peux pas m'écrire les messages. Parce qu'à cette heure, je dois avoir une vie de famille. Donc, tu vois, des choses comme ça peuvent tromper les gens. Dire que non, c'est la voix de Dieu, comme on est trop ensemble, on est trop proche, vous savez, hein? On est trop proche. Et beaucoup tombent aussi dans l'impudicité comme ça, dans l'immoralité, parce qu'ils sont proches. Et ils se disent, bon, on va régulariser ça. Et c'est le départ pour un mauvais mariage. Donc, éviter d'être rapproché d'une personne de sexe différent, ça peut conduire à réveiller les émotions et à vous faire tomber dans le mauvais mariage. Avant-dernière raison, c'est les désirs sexuels. Il y en a qui veulent se marier pour avoir des rapports sexuels. Surtout les ceux qui sont à l'église, ils s'abstiennent, ils se sont abstenus. Ah, c'est l'impudicité, c'est le péché, c'est la porte d'entrée des démons. Parce que ça fait 10 ans que je me suis abstenu. Maintenant, il y a un homme qui vient. Bon, j'accepte seulement pour que mon corps puisse fonctionner. Pour ne pas brûler. Pour ne pas brûler. Comme la Bible dit, si tu ne brûles pas, mieux vaut se marier. Pour ne pas brûler, bon. Alors que le mariage n'est pas seulement basé sur les rapports sexuels. D'autres ont pris ça comme critère et sont tombés dans les péchés, dans les mauvais mariages. Parce que c'est la relation qui ne contenait pas les rapports sexuels. Il y en a, ils sont là. Mais ils n'arrivent même pas à faire les rapports. C'est parce qu'il n'y a pas l'intimité, il n'y a pas l'attente, il n'y a pas l'amour. Si les rapports, ce n'est pas fait dans l'amour, c'est comme quand tu payes la prostituée. Tu payes, mais il n'y a pas l'amour. La prostituée, ce n'est pas l'amour. Donc, nous ne devons pas, les mariages n'est pas pour les rapports sexuels. Il y en a qui veulent échapper à ça, à ces mariages. Et ils arrivent, la femme, insoumise, l'homme a un comportement difficile, des caractères méchants, l'homme égoïste, la femme insolente, impolie. Voilà des choses que les gens racontent dans leur vie quotidienne. Et ils sont en train de souffrir de cela. Donc, vous ne devez pas vous marier seulement pour avoir l'assistance pour faire les rapports. Non, ça doit être basé sur l'amour. L'amour doit être au départ. J'aime cette personne. Okay. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il y a l'attachement. Après, on dit, ils vont devenir une seule chair. C'est la conséquence. Devenir une seule chair, c'est la conséquence de se séparer, de s'attacher et enfin devenir une seule chair. Donc, le mariage n'est pas un épisode de sexe, c'est une relation. Le dernier critère, enfin, la dernière raison, c'est le principe de mieux que rien. Tu regardes comme ça, je n'aime pas la personne. Elle, au moins, elle est mieux que rien. Et aussi, parce que lui, au moins, il est venu. Les autres, ne sont pas venus. Les autres, je ne les connais pas. Mieux vaut, on dit toujours, mieux vaut un mal que tu connais. Un mal que tu ignores. Ah, lui aussi c'est mon grand frère, je l'ai vu, il m'a vu grandir. Mieux vaut un diable que tu connais qu'un saint que tu ne connais pas. Là, je dis, mieux que rien. Ah, non, vous ne l'aimez pas, mais c'est ce qu'il y a. Oui, vraiment, c'est un mauvais départ. C'est pourquoi beaucoup pleurent dans leur mariage, beaucoup souffrent à cause de cela. Le mariage est fait pour le bonheur et non pour le malheur, non pour la souffrance. On dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est pour le bonheur. Mais quand vous commencez à souffrir, ce n'est pas une bonne chose. Voilà un peu ce qu'on peut dire dans les raisons des mauvais mariages. Notre prière est que vous puissiez éviter un mauvais mariage. Pour que vous puissiez éviter de souffrir toute votre vie. En
tout cas, ça a été vraiment une très belle émission de clôture, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup, Amdodie, pour toutes ces raisons évoquées ici. Je crois que vous avez bien noté, très chers téléspectateurs. Bien sûr, nous sommes en train de rire, mais ça fait très mal. Ça fait très mal de voir un frère, de voir une sœur en train de souffrir. Et j'en connais beaucoup en ce moment. Nous sommes en train de présenter cette émission. Avant même de venir présenter cette émission, il y a une amie qui m'a appelée. Aujourd'hui, ils sont en réunion des couples, de famille, parce que leur sœur a fui le mariage. Ils sont en train de chercher comment réconcilier ces couples-là. Donc, ce n'est pas vraiment des histoires en l'air que nous sommes en train de raconter ici, très chers téléspectateurs. Ça fait très mal. Le projet que Dieu a pour nous, c'est le projet de paix et de bonheur et non de malheur. Ce n'est pas la volonté de Dieu de nous voir souffrir dans le mariage, car la Bible dit que le mariage, c'est une institution divine. Ce n'est pas la volonté de Dieu de te voir en train de pleurer, ma soeur, en train de pleurer, mon frère, dans le mariage. Homme de Dieu, j'aimerais, avant de clôturer cette émission, prier à tout le bien-aimé, les téléspectateurs qui sont en train de pleurer en ces moments dans le mariage, en train de souffrir, de prendre de mauvaises décisions. Je vais quitter, je vais laisser, je vais abandonner, je veux faire ceci. Homme de Dieu, priez pour tous nos bien-aimés là qui sont en train de pleurer en ces moments, en train de nous suivre, en train de suivre cette émission avec larmes, et priez aussi pour ceux-là qui veulent s'engager et que Dieu les aide vraiment à faire un bon choix, homme de Dieu. Okay, nous allons prier. Je vais demander à tous d'avoir la foi en Dieu, de tourner nos regards vers lui. Seigneur, je t'apporte nos bien-aimés qui nous ont suivis et qui sont dans des situations compliquées, difficiles, qui sont en train de souffrir dans leur mariage. C'est toi le Dieu qui donne la paix. C'est toi le Dieu qui restaure. Seigneur Jésus, dans les noces de Cana, tu as fait le premier miracle. Je crois que tu es venu restaurer le vin, l'amour dans le mariage. Il y a des couples qui sont au bord du divorce. Je te prie, mon Dieu, d'agir, de restaurer, de remettre la joie, de remettre la paix, de remettre l'harmonie dans ces couples, notre Dieu. Je te prie, notre Dieu, ceux qui sont au bout, ceux qui sont fatigués du mariage, ceux qui ont pris des mauvaises décisions, Éternel des armées, manifeste-toi, révèle-toi, et qu'ils puissent revenir de leurs mauvaises décisions, notre Dieu. Qu'ils puissent t'associer et avoir la victoire. Et donne la paix dans la vie de cette femme, de cet homme, oh, qui est blessé, qui est déçu, notre Dieu, du mariage. Réconcilie, donne la paix, restaure, notre Dieu, remets encore la joie dans le cœur. La joie de vivre ensemble, la joie de partager ensemble, la joie de cohabiter ensemble, notre Dieu. Je t'ai pris aussi pour ceux qui veulent s'engager dans le mariage. Aide-leur, éclaire-leur, donne-leur le discernement afin qu'ils puissent éviter des mauvais choix et des mauvais mariages. Bénis ton peuple, c'est notre Dieu. Restaure les familles. Donne-nous d'avoir des familles fortes, des familles unies et des familles où le vrai amour règne. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, merci très chers téléspectateurs, nous avons fini avec ce grand thème, mais cela ne veut pas dire que nous avons fini nos émissions. Prochainement, nous allons commencer avec un nouveau sujet, un nouveau thème avec toujours le pasteur Paul Richard. Nous attendons vos suggestions, vos remarques. Si vous avez un thème, n'hésitez pas à nous appeler et nous écrire sur WhatsApp, nous dire quel genre de thème que vous voulez que l'homme de Dieu puisse exploiter pour votre bénédiction. Alors, si vous avez aussi besoin de contribuer avec vos dons pour que cette émission continue, en tout cas, n'hésitez pas, nous avons besoin de ça et nous avons besoin de vous, très chers téléspectateurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu restaure votre couple, que Dieu vous bénisse. Shalom.